Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Freddy Obosso. Monsieur Freddy Obosso. Voilà. Freddy Obosso. Professeur de sciences physiques. Donc, je suis là pour vous faire un cours de sciences physiques en rapport avec les énergies. Donc, l'objectif général dit déterminer les énergies des systèmes mécaniques. Donc, c'est pour cela que nous avons écrit là, c'est le cours de la terminale, CD, cours de physique. Le titre de notre leçon, c'est les énergies des systèmes mécaniques. Alors, nous allons étudier la notion d'énergie aujourd'hui. Alors, pour pouvoir aborder la notion d'énergie, il est donc intéressant. Il est intéressant pour nous, très important pour nous, de se souvenir de certaines notions vues dans les basses classes, à savoir la notion du travail et de la puissance. C'est pour cela que vous voyez que c'est écrit ici, notion de travail et de puissance. Nous allons d'abord nous rappeler, on va se rappeler de ces notions pour aborder la notion d'énergie. Alors, en ce qui concerne la notion de travail et de puissance, nous allons donc commencer par voir un petit temps. Le travail. Le travail. Le travail d'une force. D'une force. J'ajoute constante. Le travail d'une force constante. Voilà. Alors, le travail d'une force constante. Alors, le travail d'une force constante. Nous savons que pour qu'il y ait travail, pour qu'une force travaille, comme nous l'avons vu dans les basses classes, il faudrait que le point d'application de cette force-là effectue, se déplace. C'est lorsque le point d'application de la force se déplace qu'on dit que cette force-là travaille. Et donc, nous comprenons immédiatement que la notion du travail est liée à la force. C'est donc la force qui travaille. Et pour qu'une force travaille, il faut que cette force-là effectue un déplacement. Il faut que son point d'application se déplace d'un point A, n'est-ce pas, vers un point ou encore à un point B. Alors, puisque nous savons, nous connaissons les mouvements, nous allons voir d'abord pendant le mouvement de translation. Donc, pendant la translation. Donc, le travail d'une force pendant le mouvement de translation. Donc, pendant la translation. Alors, nous avons donc un mobile qui se déplace sous l'effet d'une force. Parce que pour qu'il y ait déplacement, il faudrait que la force soit à l'origine de ce mouvement. J'ai fait un petit schéma pour pouvoir illustrer la situation. Nous avons donc, je prends le cas le plus simple, où nous avons une piste AB, voilà, AB de longueur petit l, et nous avons un mobile. Un mobile qui se déplace du point A vers le point B sous l'effet d'une force F. Et c'est donc la force F qui est à l'origine de ce mouvement. Étant donné que le point d'application de la force F se déplace, on dit que la force travaille. Alors donc, par définition, l'expression du travail s'écrit le travail de A vers B de la force F est défini comme étant égal au produit scalaire, le produit scalaire du vecteur F par le vecteur déplacement AB. C'est la définition du travail d'une force. Partant de A vers B est défini comme étant égal au produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement AB. Nous pouvons donc expliciter, connaissant évidemment, la définition du produit scalaire. Vous savez que le produit scalaire égale à voilà, l'intensité de la force F fois la distance AB multipliée par le cosinus formé par les deux vecteurs, à savoir donc le vecteur F et le vecteur AB. Voici donc par définition l'expression du produit scalaire. Donc je peux essayer d'expliciter pour dire que le travail
de A vers B de la force F, donc effectuée par la force F, est donc égal à F fois L fois donc le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Cet angle peut être noté par alpha, donc cosinus alpha. Voilà. Voici donc l'expression du travail le plus simplement possible. L'expression du travail. Alors, dans cette expression de travail, selon la valeur de l'angle alpha, selon la valeur de l'angle alpha, nous pouvons donc parler de trois cas particuliers du travail. Selon la valeur de l'angle alpha, nous pouvons avoir donc trois cas particuliers du travail. Bien, alors, donc, en ce moment-là, l'angle alpha peut avoir une certaine valeur et le travail change. Et nous remarquons bien que ce travail, c'est ceci. On peut arranger, évidemment, c'est l'angle formé par les deux vecteurs. Bien, alors, nous sommes dans les cas particuliers. Si nous sommes dans le cas où l'angle alpha est compris entre 0 et pi sur 2, 0 et 90 degrés, donc 0 inférieur à alpha, inférieur à pi sur 2, en ce moment-là, vous savez que le cosinus de l'angle alpha est donc supérieur à 0. Le cosinus est supérieur à 0. Voilà. Et lorsque le cosinus est supérieur à 0, ce qui entraîne que le travail aussi est supérieur à 0. Donc le travail est positif. On voit que le travail dans ces conditions est positif. Lorsque le travail est positif, on dit qu'il s'agit d'un travail moteur. Il s'agit d'un travail moteur. Voilà. C'est donc un travail moteur. Et une force qui effectue un travail moteur est dite motrice. C'est donc la force est dite motrice dans ces conditions. Nous pouvons essayer de faire une petite représentation de ce cas particulier. Nous sommes dans le cas le plus simple où nous avons, voici AB, et le corps se déplace, voici donc la force F, et voici donc l'angle alpha. Voilà. Et le vecteur AB est là, vous voyez. Donc l'angle alpha est inférieur à 90 degrés, alors cette force-là est une force motrice qui effectue donc un travail moteur positif. Alors, le deuxième cas, si l'angle alpha est égal à pi sur 2, en ce moment-là, le cosinus de l'angle alpha qui est égal à pi sur 2 est égal à 0. Alors, le travail partant de A vers B de la force F est égal à 0. Alors, ce travail-là est dit nul. Il s'agit donc d'un travail nul. Voilà. Travail nul. En ce moment, la force F ne travaille pas. C'est une force qui n'agit pas, qui n'a aucun effet sur le mouvement. Nous pouvons essayer de représenter, c'est le cas le plus simple, où nous avons ceci. Nous avons A, B, et la force F est perpendiculaire. Voilà, perpendiculaire au déplacement, perpendiculaire au vecteur F. Donc, le travail est nul et la force ne travaille pas. Le troisième cas particulier, c'est lorsque l'angle alpha est compris entre pi sur 2 et pi. L'angle alpha est compris entre pi sur 2 et pi. OK, l'angle alpha est compris entre pi sur 2 et pi. Alors, en ce moment-là, remarquez que le cosinus de l'angle alpha devient inférieur à 0. Si le cosinus est inférieur à 0, alors, ce qui entraîne donc un travail nul, un travail négatif. Le travail de la force F est inférieur à 0. On dit que le travail est résistant. Il s'agit donc d'un travail résistant. Voilà. Il s'agit là d'un travail résistant. Et une force qui effectue un travail résistant est dit force résistante. Nous pouvons essayer d'illustrer par un schéma. Comme nous l'avons fait. Vous avez donc le point A ici, le point B ici. Notre mobile se déplace de A vers B, mais la force F, elle, agit de manière à retarder le mouvement. Voici donc l'angle alpha
ici qui est supérieure à 90 degrés. La force F donc effectue un travail résistant. Voilà à peu près les expressions des travaux que nous pouvons avoir. Alors, évidemment, dans l'expression du travail, nous avons les unités du travail. Le travail s'exprime en joules, ça nous le savons. La force en newton et la longueur ici doit s'exprimer en mètres. Ce sont là les unités que nous avons, les unités connues pour cette formule. Bien, alors, nous pouvons citer quelques exemples, ou encore un exemple, des forces qui effectuent un travail résistant dans ce cas particulier. Par exemple, les forces de frottement. Les forces de frottement agissent toujours dans le sens contraire du mouvement. Et ce sont des forces qui contribuent évidemment à freiner le mouvement, à retarder le mouvement. Il s'agit donc des forces résistantes, donc les forces de frottement. Ils effectuent un travail négatif. Bien, là nous avons donc, nous venons de voir le travail avec ces cas particuliers dans le cas d'un mouvement de translation. Voilà maintenant le cas d'un mouvement de rotation. Pendant le mouvement de rotation, quelle est alors l'expression du travail pendant le mouvement de rotation? Nous allons essayer de faire une petite représentation ici d'une force qui est à l'origine d'un mouvement de rotation. Ici, il s'agit d'un solide qui effectue un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc, après avoir parlé du travail de la force F avec ses cas particuliers où le travail est moteur, nul et résistant, nous pouvons voir un cas particulier du poids, donc du travail du poids. Le poids aussi est une force que nous connaissons bien. Alors, donc, nous écrivons tirer ici cas particulier du poids. Cas particulier du poids. Voilà, le cas particulier du poids. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le poids? Je fais une petite représentation ici, remarquez. Si je suis sur un plan horizontal, voici le point A, le point B. J'ai le mobile ici qui se déplace partant du point A vers le point B. Je peux représenter le poids, parce que nous savons que le poids a pour point d'application le centre de gravité, et le poids est toujours orienté suivant la verticale et vers le bas. Voici donc le poids. Immédiatement, nous remarquons que le poids, donc le vecteur P ici, est perpendiculaire au vecteur déplacement. Et dans ces conditions, le travail de A vers B, donc du poids, est donc égal à zéro. Parce que le vecteur P et le vecteur AB forment un angle de 90 degrés. Nous sommes dans le cas particulier où le travail est nul. Donc, le travail du poids sur un plan horizontal est toujours égal à zéro. Alors, pour que le poids travaille, il faudrait que nous puissions avoir un déplacement en hauteur, qu'il s'agisse soit d'une montée ou encore soit d'une descente. C'est ce que nous allons essayer de voir ici. Alors, nous prenons le cas de la descente. Je vais essayer de représenter ici. Voici, j'ai une piste là. Une descente où j'ai le point A ici et le point B. Voilà, donc j'ai donc un solide qui part du point A et qui descend, qui effectue la descente vers le point B. Je vais représenter le poids. Voici le vecteur P, il est là. Voilà, un solide de masse M. C'est un mobile qui se déplace en hauteur. Il s'agit ici de la descente d'abord, premièrement. Voilà, nous en pouvons essayer d'expliciter alors le travail de ce poids, puisqu'il s'agit d'un cas particulier. Alors, pendant la descente, donc, le solide part du point A vers le point B. Quelle est alors l'expression de ce travail-là? Nous repartons à la définition du travail. Donc, le travail du poids partant de A vers B, voilà, est donc égal au vecteur P, scalaire, le vecteur AB, le vecteur déplacement AB. Le vecteur AB est appelé vecteur déplacement. Donc le solide part du point A
il suit donc la piste, sa trajectoire, et arrive au point B ici. Et nous voulons donc évaluer l'expression du travail. Alors, il s'agit de produit scalaire, comme nous le savons. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs-là, c'est donc égal à la norme de P, l'intensité de P, fois la norme du vecteur AB, fois le cosinus donc, de l'angle formé par les deux vecteurs, à savoir, voilà, l'angle, voilà. C'est ça l'expression du travail. Et je peux donc essayer d'expliciter pour dire ceci. Du poids est donc égal à P fois AB fois le cosinus θ. J'appelle θ l'angle formé par le vecteur P, AB fois le cosinus θ. θ, c'est donc l'angle formé par le vecteur P et le vecteur AB. On va donc représenter le vecteur AB. Voici le vecteur AB sur le schéma, il est là. Le vecteur AB, il est là. Je le représente ici en pointillé, voici le vecteur AB. Voilà. Et voici donc l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB. Voici l'angle θ en question. Voilà. Donc l'angle θ qui est là, c'est le même angle ici. L'angle θ, il s'agit des angles correspondants. Si je le ramène ici, c'est le même angle. Donc, je suis donc en présence d'un triangle rectangle. Si je pose ce point de point H, je peux donc utiliser le grand triangle rectangle pour écrire une certaine relation. Donc, j'écris or, le cosinus de l'angle θ est égal à côté adjacent. Le côté adjacent, c'est la hauteur AH du triangle, que je note simplement par le petit h. Donc, est égal à H sur l'hypoténuse, c'est donc AB. En ce moment-là, on voit que H est égal à AB fois le cosinus de l'angle θ. Dans l'expression du travail du poids, je peux faire ressortir AB cosinus θ. Donc AB cosinus θ, c'est H. Et en ce moment-là, vous remarquez que le travail de A vers B du poids P est donc égal à P fois H. Voilà, je peux encadrer le travail du poids, et insister pour dire qu'il s'agissait ici de la descente. Le corps effectue la descente. Voyons maintenant le cas de la montée. C'est-à-dire que le corps part du point B pour arriver au point A. Donc, il s'agit de la montée. Donc, pendant donc la montée, voilà, donc le travail du poids partant de B vers A. Ici, il s'agit de la montée du poids, est donc égal au vecteur P scalaire le vecteur BA. Il y a une différence. Ici, c'est de A vers B, donc la descente, alors que là, c'est de B vers A, c'est la montée, et c'est le vecteur BA, ce n'est plus le vecteur AB. Alors, donc, ceci est égal, puisque le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB, donc ceci donne, est égal à moins P scalaire le vecteur AB. Voilà. Donc nous retrouvons finalement l'opposé du travail précédent. Or, le travail précédent que nous avons trouvé, c'est ceci. Donc finalement, nous voyons que le travail du poids pour monter du point A, du point B vers le point A, est donc égal à moins P fois H. Puisque nous savons que P scalaire AB nous a donné P fois H. Étant donné qu'ici, il y a la présence d'un signe moins, donc ce travail est égal à moins P fois H. Alors, donc, nous écrivons, on peut encadrer ici. Donc, en conclusion, on peut tirer une conclusion pour dire simplement que le travail du poids, simplement, j'écris comme ceci, qu'il s'agisse de la montée ou de la descente, j'englobe les deux cas ensemble, est donc égal à plus ou moins P fois H. J'encadre. Je dis plus ou moins pour englober les deux cas. S'il s'agit de la descente, alors ce travail-là est positif. Alors le poids se comporte comme étant une force motrice. S'il s'agit de la montée, alors le travail est négatif. En ce moment, le poids devient donc une force résistante. Bien, alors il faut remarquer un fait. En observant attentivement l'expression du travail du poids, on se rend compte que ce travail du poids ne dépend même pas de la trajectoire suivie. C'est-à-dire que nous partions de A vers B.
en suivant la trajectoire, ou que nous fassions ceci, en passant par H et arriver au point B, on se rend compte que ce travail garde la même expression. Si je prends le cas de la descente, je vais arriver au point B en suivant la trajectoire, ou qu'en suivant la trajectoire droite, ou encore en passant par le point H et arriver au point B, nous avons la même expression du travail. Donc, en conclusion aussi, nous disons que ce travail du poids-là ne dépend pas du chemin suivi par le mobile. C'est donc un travail qui dépend simplement du point de départ et du point d'arrivée, donc du niveau de départ et du niveau d'arrivée. Vous voyez bien que ce travail-là dépend simplement de H, peu importe la trajectoire suivie par le mobile. Évidemment, l'expression du travail ne prend pas en compte la trajectoire. Évidemment, le travail prend en compte simplement la hauteur, donc la différence de niveau. Et on dit que ce travail dépend simplement donc du point de départ et du point d'arrivée. Alors, nous avons donc parlé du travail pendant la translation. Je récapitule. En parlant d'une manière générale d'une force, en mode de translation, et nous venons de voir le cas particulier du poids. Donc, on retient que le travail du poids peut être positif ou négatif selon que le corps effectue la descente ou la montée. Alors, nous pouvons donc voir l'autre cas, c'est le mouvement de rotation. Donc, le travail pendant la rotation. Pendant la rotation. Le travail pendant la rotation. Donc, ici, nous sommes dans le cas où la force est à l'origine d'un mouvement, mais cette fois-ci, il s'agit d'un mouvement de rotation. Donc, la force en question fait tourner un corps ou encore un solide autour d'un axe fixe. On va essayer de faire une représentation. Voici donc le solide qui est là, le solide qui tourne donc autour d'un axe fixe, dans ce sens, je suppose. Et voici l'axe fixe en question, c'est l'axe delta. Donc, le corps tourne, il ne tourne pas seul, il tourne sous l'effet d'une force. Voici l'expression de la force, je la représente déjà ici, la force F, voilà, elle est là. Et la distance là, je note ça par R, petit r. Donc, la force est là, s'exerce au point A, comme le point d'application, et il se déplace, donc en tournant, pendant que le solide tourne, la force effectue donc le déplacement de A vers le point B. La voici ici. Donc la force a tourné d'un angle θ. Et c'est cette force-là qui est à l'origine. J'ai pris deux instants donnés, l'instant où la force est au point A et le deuxième instant où la force est au point B, après avoir effectué un mouvement de rotation. Quel est alors le travail effectué par cette force entre le point A et B? Nous pouvons écrire en ce moment-là le travail ici, le plus simplement possible, de la force F entre le point A et B, voilà, est donc égal à F fois la distance AB. La distance AB, c'est un arc de cercle. Voilà. Finalement, ici, l'expression du travail se résume simplement au produit de l'intensité de la force F par la distance AB. Or, n'oublions pas que la distance AB est un arc de cercle, puisque la force effectue la rotation, le point d'application de la force tourne. Donc, la distance AB est un arc de cercle. Donc, or, nous pouvons écrire que la distance AB, là, l'arc là, est donc égale à R fois θ. Θ est en radian. Θ est un angle en radian. Et R, c'est une distance que nous notons par R, qui s'estime en mètres. Donc, si nous remplaçons, finalement, on se rend compte que le travail de A vers B de la force F est donc égal à F multiplié par R fois θ. Voilà. Or, nous sommes sans ignorer. Donc, j'écris d'autre part. D'autre part, n'oublions pas que le produit F fois R, là, exprime le moment. Une grandeur qu'on appelle par le moment de la force F par rapport à l'axe delta, puisque le moment se calcule toujours par rapport à un axe. Donc, si je remplace, vous voyez bien que le travail de A vers B effectué par la force F est donc égal au moment de la force F par rapport à l'axe delta fois l'angle θ. Je peux encadrer l'expression du travail pendant le mouvement de rotation. Voilà, on n'oublie pas que le travail s'exprime en joules,
Le moment est une grandeur qui s'exprime en newtons, mètres, et l'angle θ ici s'exprime en radians. Ce sont les unités qu'il faut respecter. Voilà. Ça, c'est le travail d'une force, une seule force pendant la rotation. Une force qui est à l'origine d'un mouvement de rotation. Alors, n'oubliez pas que le mouvement de rotation peut être causé par un couple de forces. S'il s'agit d'un couple de forces qui est à l'origine de la rotation, un couple de forces, c'est l'ensemble de deux forces de même intensité et de sens contraire. Voilà, ce couple de forces est souvent à l'origine d'un mouvement de rotation. En ce moment-là, vous voyez bien que l'expression du travail garde la même forme. Donc, de A vers B, de ce couple de forces-là, souvent noté par petit f et grand F, et petit f et petit f prime, est toujours égal au moment du couple. Voilà. En ce moment, nous prenons le moment du couple de forces multiplié par l'angle θ. Voici donc l'expression du travail. Toujours est-il que le moment du couple s'exprime en newton-mètre, garde les mêmes unités. Donc, voilà donc l'expression du travail. Parce qu'il était question qu'on puisse se souvenir de l'expression du travail avant d'aborder la notion d'énergie. Nous ne sommes pas encore arrivés à la notion d'énergie. On a fini avec le travail pendant la translation et pendant la rotation. Alors, voyons maintenant la notion de puissance. Puisque nous avons dit notion de travail et puissance. Voilà maintenant la puissance. Donc, de la puissance. La puissance d'une force. Il s'agit de la puissance mécanique. La puissance d'une force. Voilà. La puissance d'une force. Ici, il s'agit d'une force constante. Alors, la puissance. En ce qui concerne la puissance, il faut donc définir la puissance. Bien, alors, la puissance pour nous, nous parlerons également de la rotation, de la translation et de la rotation. Donc, pendant donc la translation, donc pendant la translation, pendant la translation, la puissance est d'une force constante. Alors, nous disons que la puissance P, par définition, la puissance P est donc égale à dérivée du travail par rapport au temps. Voilà, c'est la puissance, la dérivée du travail par rapport au temps. Lorsque le travail, évidemment, varie en fonction du temps, évidemment, la puissance peut être écrite de cette façon. Voilà, la puissance, c'est une grandeur, c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur. Alors, or, nous avons dit que le travail était égal à la force F fois la distance fois le cosine de l'angle θ. Donc, si nous remplaçons évidemment le travail par cette expression que nous connaissons déjà pendant la translation, vous voyez bien que nous pouvons écrire la puissance égale. Bon, on va changer pour essayer d'avoir la différence, pour ne pas que ça puisse ressembler au poids. Donc, on écrit la puissance avec un P pour éviter donc la confusion avec le poids. Et donc, vous voyez que la puissance là, grand P, est donc égale à la dérivée par rapport au temps de la force fois la longueur fois le cosine de l'angle θ. Et donc, nous avons la force est une force constante. Le cosinus aussi est une constante. Le cosinus de l'angle est une constante. Donc, ce qui varie, c'est la distance. Vous voyez, donc, nous pouvons écrire F fois le cosinus θ, la dérivée de la longueur par rapport au temps. Voilà. Or, la dérivée de la longueur par rapport au temps, il s'agit donc de la vitesse. C'est la vitesse. La distance varie en fonction du temps, c'est la vitesse. Et donc, la puissance peut être écrite F fois la vitesse fois le cosine de l'angle θ. Voici donc l'expression donc de la puissance. Alors, la puissance s'exprime en watts. La force ici doit s'exprimer donc en newton. Alors, la vitesse en mètres par seconde. C'est l'expression donc de la puissance pendant la translation. Alors, la puissance pendant la rotation. Donc, nous écrivons pendant la rotation. Pendant le mouvement de rotation. Pendant la rotation. Pendant la rotation,
Voilà, nous avons la même définition pendant la rotation. La rotation. Pendant la rotation. Voilà, la puissance toujours égale à la dérivée du travail par rapport au temps. Ici, le travail, nous venons de voir tout à l'heure, pendant la rotation, le travail est égal à quoi? Est égal au moment de la force par rapport à l'axe θ fois l'angle θ. Voilà. Et lorsque nous remplaçons là, puisque le moment est une constante, le moment est une constante, donc lorsque nous remplaçons, donc on voit que la puissance est donc égale à la dérivée par rapport au temps, voilà, du moment de la force F par rapport à l'axe delta fois l'angle θ. Donc ceci est égal, le moment est une constante par rapport à l'axe delta, dθ sur dt, donc la dérivée de l'angle θ par rapport au temps. Or, la dérivée de l'angle θ par rapport au temps, c'est θ point. Or, la dérivée de l'angle θ par rapport au temps, c'est θ point, qui est donc la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. En ce moment-là, la puissance P pendant la rotation donc, est égale au moment de la force F par rapport à l'axe delta multiplié par θ point. Voilà. Les unités. La puissance s'exprime en watts. Il s'agit là d'un rappel. Le moment s'exprime en newton par mètre et la vitesse angulaire s'exprime en radians par seconde. Voilà. Nous venons donc de nous souvenir, on vient de se rappeler de la notion du travail et de la puissance. Tout à l'heure, nous sommes dit que nous ne pouvons pas parler, aborder la notion d'énergie sans se rappeler de ce que c'est que le travail et la puissance. Donc nous venons de voir ces deux notions, la notion de travail et de puissance. Maintenant, passons à l'énergie. Nous allons passer à l'énergie. Voilà. On efface ici. J'écris donc grand 2, les énergies. C'est même l'objectif de notre leçon puisque c'est écrit les énergies des systèmes mécaniques. Grand 2, les énergies. Les énergies. Pour être en harmonie avec le titre, les énergies. Voilà. C'est l'objectif de notre leçon, les énergies. Nous avons compris la notion de travail. On s'est souvenu de la notion du travail et de la puissance. Alors, à quel moment nous pouvons parler de l'énergie? Nous disons que l'énergie, évidemment, c'est une grandeur physique qui est liée au travail. Parce que c'est lorsque un corps ou encore un système mécanique possède de l'énergie que la force peut effectuer un travail. Je prends un exemple, lorsque vous n'avez pas mangé, vous êtes fatigué, évidemment vous ne pouvez pas travailler. Et lorsque vous avez de l'énergie, vous avez travaillé, vous vous fatiguez, vous sentez que vous avez perdu quelque chose. Donc de l'énergie. Donc, c'est lorsqu'un système possède de l'énergie qu'il y a travail. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de travail. Alors, la première forme d'énergie que nous allons voir, c'est une énergie liée à la vitesse. Donc, nous avons un mobile qui se déplace avec certaines vitesses. Cette énergie liée à la vitesse ou encore énergie de vitesse est appelée énergie cinétique. Donc, 1, voilà, énergie cinétique. Énergie cinétique. Cette énergie cinétique, nous allons la calculer pendant la translation et pendant la rotation. Parce qu'il s'agit ici d'un mouvement. Le mouvement peut être un mouvement de translation ou un mouvement de rotation dans le cas, dans le cas particulier qui nous concerne ici. Donc, 1, 1, pendant la translation, pendant le mouvement de translation. Alors, pendant le mouvement de translation, l'énergie cinétique est donné par la formule suivante. Il s'agit ici d'un solide qui se déplace, qui effectue un mouvement de translation. Un solide qui effectue un mouvement de translation, voilà,
avec une vitesse V, il se déplace avec une certaine vitesse. En ce moment-là, on dit que ce mobile ou encore ce solide acquiert de l'énergie cinétique. Et cette énergie cinétique-là, de translation par la T, est donnée par la formule énergie cinétique de translation est égale à 1 demi, c'est la même formule, fois la vitesse au carré. Voilà. Voici donc l'expression de l'énergie cinétique, la même formule depuis la troisième. Et l'énergie cinétique, l'énergie s'exprime en joules comme le travail, puisqu'on dit que l'énergie et le travail sont liés. L'énergie se convertit en travail. Voilà, la masse doit s'exprimer en kilogrammes et la vitesse, pas la vitesse au carré, s'exprime en mètres par seconde. Ça, c'est l'énergie cinétique de translation. Lorsque le mobile effectue un mouvement de translation sur une piste quelconque, voilà, avec une vitesse V. Donc, la vitesse est connue, elle s'exprime en mètres par seconde. Donc, alors, ça, c'est la première expression pendant la translation. Pendant la rotation, alors, 1-2, pendant la rotation. Pendant la rotation. L'énergie cinétique pendant la rotation. Alors, pendant le mouvement de rotation, nous pouvons exprimer l'énergie cinétique. Alors, quel est le cas alors de la rotation? Donc, la rotation, nous avons écrit pendant la rotation. Donc, dans le cas de la rotation, donc, nous avons un solide qui effectue un mouvement de rotation. Il s'agit d'un mouvement. Ce solide aussi acquiert de l'énergie cinétique. Alors, pendant la rotation, la vitesse linéaire est égale à R theta point. C'est une expression que nous connaissons depuis la cinématique. La vitesse linéaire, nous avons la vitesse angulaire. Il s'agit donc de la relation entre vitesse linéaire et vitesse angulaire dans un mouvement de rotation, un mouvement circulaire. Parce que n'oubliez pas que si nous prenons le cas d'un point matériel, évidemment, le point effectue un mouvement circulaire. Bon. Nous remplaçons donc la vitesse par cette expression. En ce moment, nous avons l'énergie cinétique de rotation. Il s'agit de la rotation ici. Est donc égale à 1 demi de la masse fois la vitesse au carré, puisque la vitesse, nous avons dit, est égale à R theta point au carré. Donc, ceci est égal à 1 demi de la masse R carré theta point au carré. Voilà, nous avons une grandeur qui attire notre attention. Le produit de la masse fois R carré. Ici, ça nous rappelle une grandeur vue pendant le cours sur la dynamique du solide en rotation. Parce que le produit de la masse par la distance au carré nous donne le moment d'inertie. Voilà. Que nous notons par MR carré, c'est le moment d'inertie. Et ce moment d'inertie est lié à la forme du solide. Et ça se calcule par rapport à un axe donné, c'est pour ça que nous écrivons J delta, tout en sachant que delta, c'est l'axe de rotation. Alors, vous voyez que MR carré est là, donc finalement, l'énergie cinétique de rotation là est donc égale à 1 demi de J delta fois theta point O carré. Voilà, nous encadrons la formule de l'énergie cinétique de rotation qui s'exprime en joules toujours, puisque l'énergie se convertit en travail, les deux ont la même unité. Alors, le moment d'inertie, l'unité, c'est le kilogramme mètre carré. Et la vitesse angulaire, pas le carré de la vitesse angulaire, mais la vitesse angulaire elle-même, s'exprime en radians par seconde. Voilà donc l'énergie cinétique pendant le mouvement de rotation. Donc, nous avons commencé les énergies, nous venons de le dire. En ce qui concerne les énergies, la première forme d'énergie que nous venons d'étudier tout à l'heure, c'est la forme d'énergie, cette énergie liée à la vitesse. C'est lorsqu'il y a déplacement, lorsque le solide ou encore le système se déplace avec une certaine vitesse. Le déplacement, évidemment, dans le cas de la translation, nous avons la vitesse et cette énergie est donnée par cette expression 1 demi de 1V carré. Nous avons vu aussi la même énergie cinétique lorsque nous sommes en présence d'un solide qui effectue un mouvement de rotation. Donc, le solide effectue un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Nous venons donc de voir que cette énergie cinétique-là est donnée par cette expression. Donc, énergie cinétique de rotation est égale à 1 demi de J delta fois theta point au carré. Voilà. OK, merci beaucoup. Donc, nous venons donc de finir cette séquence du cours sur les énergies
évidemment, le cours va continuer prochainement. Donc, à nous revoir à la prochaine séance.